Et même avec ce machine de propagande, finissez, banalise jugement et de la Cour suprême et du Privy Council. Je veux dire sans cesse une dire qui m'en acte de braillerie et de corruption, les courants, et qui s'avancissement là, les sans importance. Et même qu'on n'est jamais fini respecter ben l'institution. Et là, il donne une démonstration flagrante de ce mépris pour le judiciaire. Et même aujourd'hui, il a redonné une démonstration, si c'est bien redonné, qu'il n'y a aucune autorité morale pour une cause de fraude et corruption. Au fait, même vous trouvez qui, quand c'était les films déviés depuis ce bon principe, depuis ce lalite qu'ils y fait avant. Électeur numéro 8, fin comprendre qu'il y a un acte de braillerie et de corruption qui est bien grave et bien sanctionné. Vous réalisez aujourd'hui qui le monde, si vous pensez de nous, si après un jugement de la Cour suprême et un jugement du Privy Council, du monde qui a un vote pour un candidat qui est condamné. Qui est le monde, si vous pensez l'autre? L'électoral numéro 8, fin garde l'honneur. Non seulement de la circonscription, mais de Maurice même. Je vous fais rappeler aussi que MMM, si non seulement donne tout ce support, tout ce machinerie, pour un dimoun qui finit condamné pour braverie et fraude électorale, mais Paul Béranger, tu as aussi dit, besoin de une correction gouvernement. Aujourd'hui, électoral numéro 8, finit donne MMM une correction. Les fins sanctionnent eux-mêmes pour cette irresponsabilité, pour cette démagogie, pour ce bon fausseté qu'il a causé et ce bon zigzag qu'il a fait en politique. C'est ça qui arrive aujourd'hui. Qui n'est pas capable, quoi, ou capable de faire fraude et corruption, ou pas capable d'essayer qu'aucun man vote ban électeur pour gagner l'élection et rester au pouvoir. De fait, de Ashok Dianga te fait, c'est aussi de fait de Paul Béranger. Les fins engagent-les dans sa campagne-là. Les fins disent que le jugement de la Cour suprême et le jugement du Privy Council pas important. Les fins disent électoral numéro 8 donne une correction au gouvernement. Et l'électorat finit démontrer de façon éclatante qu'ils sont pleins avec zigzag Paul Béranger quand même. Ben, disent sans principe. Et vous faire quoi, tout est possible. C'est Ashok Jagnath, fin condamné par trois tribunaux. Il fin condamné par la Cour suprême de Maurice. Il fin condamné par cinq lolos du Privy Council. Et maintenant, il fin condamné par le tribunal populaire de la circonscription numéro 8. Pas vote pour un candidat qui fin condamné et par la Cour suprême et par le Privy Council pour fraude et corruption. La vérité du parti travailliste, corruption, man jouisseur, man accaparé, l'incause en cette débauchage, qui m'a pas fini passer. Si m'a pour raconter, n'est pas pour assez. Si m'a pour dire où, qui du monde, il approche moi, qui du monde, il vini pour me sauter beau, pour me quitter mon parti, moi là-bas. Moi, je dis, je ne veux pas un récit convaincre moi. Je te fais donner moi post-ministre. Je te fais donner moi tout privilège. Mais, je non. Moi, pour travailler pour pays. Moi, j'ai confiance dans mon leader. Je peux faire l'histoire de ce pays-là. En tant qu'un patriote, laisse-moi dire, je suis chagrin et révolté ce qui fait passer dans ce pays-là. Law and order, en bas là-haut, peine à un jour qui ouvre un journal qui n'a pas trouvé crime. Vol, viol. Et ce n'est pas une coïncidence, ça, mon camarade. Ce n'est pas une coïncidence qui fait. Hein. À chaque fois, l'histoire fait montrer qu'il y a à chaque fois un parti travailliste pour voir. C'est ça, mon affaire, là, qui passe dans ce pays. Il ne faut pas nous donner la mémoire courte, il ne faut pas nous plier. Qui nous vivent sous les navires de Rangoula. Comment nous sommes capables d'oublier Macarena? Comment nous sommes capables d'oublier Emen, février 99. Comment nous sommes capables d'oublier l'amical? Comment nous sommes capables d'oublier
man, les autres scandales qui tiennent dans le pays à l'époque, Molton. Est-ce qu'il y a une coïncidence, ça, quand on travaille sur le pouvoir, il y a une dégradation de la loi et l'ordre, il y a une dégradation de la paix sociale, il y a une dégradation, il y a une prolifération de scandales dans le pays là? Non. Les autres cultures, les autres manières, les autres mentalités, ça. Comment je veux dire, ça dit sans corruption, là, ça dit sans mal faire, là, les autres, la veine, ça. Zone gagne gouvernement, leur fausse promesse, le communal, qui en 2005 n'a pas eu le pouvoir. Rappel, sans eau, puissance la vie. Paradis, tu m'ouvres dans la terre, tu promets du monde. Tu mets taxes là un NRPT, National Residential Property Tax. Tu rases du pain de la bouche des enfants à l'école. Et aussi fils d'examen STHSI, tu refuses de payer. Et là, moi, bien salué, mon camarade Pravin, MSM, quand tu es au gouvernement, Pravin, comme ministre des Finances, vient rétabli. Et Sakil Mohamed permet la loi pour casse travailleur. Et quand il passe la loi dans le Parlement, il casse les travailleurs, il s'est inserti à travailler. Quand Michel Rambou l'a metté, il dit, ça tombe un gars, il peut l'oxygène, il est ensemble avec Chounouk. Immoralité. La vie de l'homme pour l'amour, c'est danger. Virez-moi. N'a pas fait de l'état comme même. Virez-moi. N'a pas fait de l'état comme même.